Téma, c'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule, OCB, ma gueule. Original Cash Burn, coco. Moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Capri, Radian Ismail, le même qui fit 5 piges plein à Berlin. Tu peux pas, mon pote, et bien Chopzin. Ce que j'ai fait te semble incroyable. Et moi, original, inoubliable. D'où j'arrive, et c'est inévitable, hein, ma gueule. The one give a fuck, moi, de l'endemain. Salut les gars, c'est Bandido, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Noël, les gars. Spécial Noël ce soir, c'est Noël. Donc déjà, bonne fête à tous. Prenez soin de votre famille, passez de bons moments en famille. Je sais que pas tout le monde fête Noël, mais comme moi par exemple, je fête pas Noël. Ce soir, je suis devant la play, j'attends les noobs de pied ferme, en espérant qu'il y en ait pas mal avec ce matchmaking là. Donc, bah ouais, je passe pas Noël parce que ma fille est avec ma mère, avec sa mère. Donc, moi je l'aurai le week-end là bientôt. Je l'aurai la semaine prochaine, je lui ferai son petit Noël tranquille. Donc, vraiment, passez de bonnes fêtes, les gars. Doucement sur l'alcool, faites attention pour ceux qui rentrent, qui conduisent. Et voilà, vraiment passez un bon moment. C'est une période chaque année. Ouais, c'est festival, c'est festif plutôt, je veux dire. On est entre copains, entre potes, entre familles, donc vraiment passez un bon moment, lâchez-vous, voilà, il faut faire la fête, faut bien manger, attention les kilos les gars, c'est l'hiver, remarque on s'en fout, on prend un peu du poids, il fait froid. Donc voilà les gars, j'espère vraiment, je vous souhaite vraiment déjà en premier une bonne fête à tous, vraiment vraiment. Aujourd'hui je vous présente un gameplay à la SME magnitude avec tir rapide poignée. Je vais vous tester un peu le tir rapide pour voir ce que ça donnait. C'est assez pas mal avec la magnitude parce qu'elle a plus de portée, donc ça rattrape la perte sur le tir rapide. Et c'est plutôt pas mal. Et comme vous pouvez le voir, une belle 6 feet au bombard de Tonio 25. Voilà, aujourd'hui je suis un gameplay énervé les gars. C'était il y a 2-3 soirs en arrière. J'ai joué avec... il y avait deux gars de ma team d'ailleurs qui vont se déconnecter dans la partie. Ils ont eu une déconnexion de l'autre. En fait, au départ, on était deux gars de ma team, OCB Dark Reign, OCB JJXR, plus le cousin à JJXR, et moi-même, et Tonio 25 de la X et RST Iron, mais de la team RST, la team à The Kerry. Voilà, franchement, ça fait plaisir, on s'est retrouvé trois gros fraggeurs, et franchement, on a fait carnage. C'est un gameplay full rush, les gars, comme vous pouvez le voir. On va faire, j'ai marqué ça sur un petit papier parce que je ne me rappelais plus. On va faire 167 kills à 3, c'est-à-dire on va mourir 32 fois tous les 3, confondu, mélangé. Et on va faire 167 kills à 3 en EC. Franchement, un vrai bordel. Moi, je vais faire une série de 18 et une série de 21, je crois. Moi, je vais faire du bêtement. Tonio, je crois qu'il a fait une bonne série aussi. Bref, un sacré carnage, un beau gameplay full rush. Donc, j'espère que vous allez aimer ce gameplay. Mettez un petit like pour tonton. Et aujourd'hui, je donnerai les résultats du concours aussi pour les t-shirts. Là vous pouvez voir que dans la première partie de cette map, je vais me faire assez tuer pas mal de fois, je crois que je vais me faire tuer 7 fois. Et après dans l'autre partie, je vais faire carnage. C'est vraiment l'autre partie, elle me fait kiffer. Moi j'aime bien la deuxième partie de cette map, et cette map en particulier, je trouve qu'elle est pas mal, qu'il y ait deux phases de combat en fait, sur deux maps de styles différents, une plus fermée, l'autre beaucoup plus ouverte. Et vous allez voir, sacré carnage de tonton après. De grave énervé, bombarde, warbird et tout. Franchement, ça envoie du steak. C'est un gameplay full rush, donc franchement, ça fait plaisir. On va dire, bah, RST Iron n'est pas un youtubeur, mais il fait partie d'une team d'un grand youtubeur. Et Tonio, vous connaissez tous, c'est le téton pointu qui. Voilà, il m'a fait bien rire. J'aurais bien aimé vous mettre la conversation, mais ça a bugué, on n'a pas pu l'enregistrer. On a bien rigolé, franchement, ça a joué décontracté, ça a joué full rush, ça a envoyé des bombardes, des voilà, c'était le bordel, bref. Alors aujourd'hui, j'ai une petite question à vous poser. J'ai imaginé, en fait, la dernière fois, je vous ai dit, oh, Toto, il imagine, attention, ça va loin. J'ai imaginé un petit truc. Je me suis dit, peut-être que... Oh, la belle brochette, là, de Toto, ouf. Moi, je me suis dit, ouais, peut-être que... imaginez un contexte. Je me suis imaginé ça en allant un petit peu loin. Je me suis dit, peut-être que des gameplays, imaginons, à 6, dans un mode de jeu à 6, par exemple. Je me suis imaginé... Par exemple, dans la partie, est-ce que ça vous ferait plaisir, imaginons avec une conversation Skype, je donne un exemple, par exemple, deux membres de la RST, deux membres de la X et deux membres de la OCB. Ouais, je me suis dit, franchement, ça devrait être pas mal. Gros gameplay carnage en plus si je fais une conversation Skype, je vais leur proposer. Donc en fait, aujourd'hui, je suis là pour vous poser la question, est-ce que ça vous plairait, pourquoi pas, même ça serait peut-être même un gameplay qu'on pourrait passer sur
bah, sur la chaîne Antonio, pourquoi pas, et pourquoi pas la chaîne Jawed, si, bah, après, s'ils veulent, s'ils veulent pas, c'est pas grave. Moi, en tout cas, ça me ferait plaisir. Est-ce que vous en passerez quoi si, par exemple, je prendrais le leader de chaque team, on va dire, plus un joueur à eux. Un exemple, RST Kairi 78, RST Iron, par exemple, parce que moi, je l'ai dans mes contacts. Par exemple, Tonio, qui est de la Hex, et par exemple, avec FD 78, qui est de la Hex, un très bon joueur aussi. Et moi, par exemple, avec moi, et je prendrais, par exemple, je sais pas moi, un exemple, OCB Reco, qui est un très bon joueur, ou même d'autres. Ceux qui seront disponibles ce jour-là. Donc en fait, faire 2, 2 et 2, vous voyez, 3 petites groupes de 2, faire une belle game, un 6v6, et voilà, franchement, ça fait plaisir. Je trouve que, enfin, je sais pas, la RST c'est une bonne team, la Hex c'est une bonne team aussi, la OCB c'est une bonne team. Je pense que voilà, ça ferait une idée originale. Je sais pas, c'est en faisant ce gameplay que je me suis dit, ouais, pourquoi pas mettre 2 joueurs de chaque team dans la même team qui ferait en gros. Ouais, je vais exagérer un peu, vous savez, tantôt c'est Marseille, on exagère, on vous donne ça, on prend ça. Mais genre voilà, faire une petite condensée de une team de peu youtubeurs et petit mélite quoi, vous voyez ce que je veux dire un peu, ouais, deux de la RST, deux de la Hex, deux de la OCB, franchement ça ferait une grosse. Je pense que ça pourrait faire de grosses games, je pense, vraiment, parce qu'il y a des sacrés joueurs dans chaque team. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires vraiment si vraiment ça vous plairait, ce mélange, on va dire, ce Ultimate Team quoi, en fait c'est un mélange quoi, enfin, ou la Dream Team quoi, enfin un Dream, il y a d'autres teams qui sont fortes aussi, mais moi je parle de ces deux parce que c'est des gens que j'ai en contact sur PSN et tout, donc ce serait possible de faire ça avec eux. Dites-moi vraiment dans les commentaires si vraiment vous kifferez voir un gameplay, hein, avec des conversations Skype, avec voilà, avec la RST, avec la Hex et la OCB mélangée. Deux joueurs de chaque équipe, ou pourquoi pas faire une guerre terrestre et rajouter une autre équipe, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse. Sur ce, ben, joyeux Noël aussi, vous pouvez me le dire aussi, ça fera plaisir, parce que moi je vais passer mon Noël comme un con devant ma PlayStation tout seul, tranquille, je me suis pris mon petit pack d'Heineken, pépère, du Nutella, du chocolat, et c'est parti pour une bonne nuit de geekage. Je vais passer sur ma chaîne YouTube. Alors voilà, j'ai fait le tirage au sort, ça a été très difficile parce que franchement il y avait beaucoup de monde et tout. Donc j'ai sélectionné les 3 gagnants, mais avant de faire les 3 gagnants, je vais quand même remercier, je vous remercie tous, ça vous le savez très bien, mais je suis obligé quand même de remercier ceux qui sont vraiment là depuis longtemps et qui sont toujours dans mes top commentaires, c'est-à-dire que tellement ils sont tout le temps présents dans les commentaires, ils apparaissent toujours en top commentaires et franchement, je suis obligé de faire un plaisir, donc je fais une petite dédicace rapide à Romain Le Talour, Léopold FR, je vais peut-être en oublier mais je vais aller vite, hein. Tom Bertin, Coloring Crazy, Ronaldinho HD, c'est des noms que je revois sans arrêt tout le temps dans le top commentaire, Antonin Verdier, je vais en oublier franchement, Boubacar Lover aussi, lui c'est un abonné, mais alors du vieux de la vieille, il est toujours fidèle, un truc de ouf. Qui est-ce que je vais oublier? Ouais, j'en ai oublié, il y en a plein. Franchement, là je suis en train de regarder, c'est un peu difficile de vous dire. Monsieur Tenassi, alors lui il est tout le temps là aussi, un truc de ouf. Actarius, Zinu Gamer, Warren Gaming, enfin voilà, je vais pas tous les citer. Ne le prenez pas mal si j'ai pas cité votre nom les gars, mais franchement voilà, ça fait plaisir quand même. Il y en a plein, je pourrais citer des tonnes encore. Bref, tout cela m'ont fait énormément plaisir et franchement je tiens à vous remercier vraiment les abonnés fidèles. Putain, la partie est finie, merde, c'est déjà fini. Il y a eu la petite cam je crois de Bandidos en finition. Donc je vais citer les 3 gagnants du concours. N'oubliez pas de m'envoyer un message privé sur mon Facebook les gars. Bandidos HD, les 3 gagnants. Vous m'envoyez un message privé avec votre prénom, votre nom, votre adresse. Donc je finis pour 50 pour 9. Tonio finit pour 61 pour 9. RST 56-14. Donc on a fait 167 kills pour 32 morts à 3 en EC. J'espère que ce gameplay vous aura plu. Les 3 gagnants, donc je vais les nommer. 34 Couleuvre, un abonné très fidèle. Dimitri Rambaud et Ghostofire. Donc je répète, 34 Couleuvre, Dimitri Rambaud et Ghostofire. N'oubliez pas de m'envoyer un message privé sur mon Facebook pour que je puisse vous envoyer les t-shirts. En tout cas, GG aux gagnants. Désolé à ceux qui n'ont pas gagné, mais je vous remercie tous quand même de la participation que vous avez eue sur ma dernière vidéo, la DNA Bomb concours 30 000.
Voilà, sur ce, n'oubliez pas de faire un petit tour sur les vidéos précédentes parce qu'il y a eu des petits likes qui ont été oubliés. Et sur ce, je vous dis bonne fête à tous, les gars. Joyeux Noël. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, les gars!